Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Carilla, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et à l'université Paris-Saclay. Je vais vous présenter dans le cadre du Big Five de la littérature psychiatrique une thématique qui m'est chère, sexe, drugs and heavy metal. Le projet est le suivant, mes managers, Pierre-Michel Lorca et David Gourion, alias Eric Martin et Rob Trujillo, m'ont proposé un travail d'imagerie cérébrale autour des fans de heavy metal et de la recherche de sensations, et autour de l'hypersexualité pathologique et du déficit d'inhibition. Pourquoi? Je me suis posé la question, mais est-ce qu'ils pensent à moi? En réalité, ce n'était pas le cas. La première étude était celle de Sun et collaborateurs autour de la connectivité fonctionnelle intrinsèque neuronale associée à la recherche de sensations chez les fans de heavy metal et de musique classique. Comme vous le savez, la musique est une récompense naturelle et les préférences musicales sont associés à la personnalité, au point de vue et aux compétences cognitives. Le heavy metal, c'est un genre musical qui a émergé dans les années 70, qui est énergique, rebelle et multithématique, et on retrouve un haut niveau de recherche de sensations chez les fans de cette musique. La musique classique, quant à elle, est corrélée négativement à la recherche de sensations et il y aurait moins de rébellion. Devant ces différences de niveau de recherche de sensations, une exploration de l'activité cérébrale en IRMF a été décidée et on a évalué l'amplitude fractionnelle des fluctuations à basse fréquence et de la connectivité fonctionnelle à l'état de repos. Quand on comparait nos deux populations heavy metal et musique classique, clairement, il y avait des différences significatives en termes de désinhibition et de recherche de sensations en faveur des fans de heavy metal. Quand on étudiait l'amplitude fractionnelle à basse fréquence dans les deux populations, on retrouvait des différences, notamment au niveau du gyrus rectus qui se trouve dans le lobe frontal et au niveau de la scissure calcarine. Quand on comparait à l'état de repos les deux populations, on avait des différences régionales entre les deux populations. Pour la population heavy metal, les signaux étaient plutôt à gauche et pour la population musique classique, c'était plutôt à droite. Que devons-nous retenir de cette étude? L'activité spontanée du gyrus rectus est significativement plus faible chez les fans de heavy metal. Et on retrouve aussi des différences de lien entre connectivité fonctionnelle à l'état de repos et recherche de sensations. Pour le groupe heavy metal, la notion de recherche de sensations fortes et d'aventure est plutôt en lien avec l'hémisphère gauche. Et dans le groupe musique classique, la recherche d'expérience et la susceptibilité à l'ennui est plutôt en lien avec l'hémisphère droit. Cette étude nous donne des éléments de cartographie régional cérébral de la notion de recherche de sensation. Il existe donc un corrélat neural, recherche de sensation et préférence musicale. La seconde étude, donc mes managers, Pierre-Michel Lorca et David Gourion, alias Phil Lewis et Peter Criss, m'ont demandé maintenant d'explorer en imagerie cérébrale fonctionnelle la question d'hypersexualité pathologique et de déficit d'inhibition. Nous nous sommes donc intéressés à l'étude de Seok et Son sur cette thématique. Les critères diagnostiques d'addiction sexuelle et d'hypersexualité pathologique sont multiples, même s'ils ne figurent pas dans le DSM-5. Il y a de plus en plus de littérature sur cette notion. Et on retrouve des préoccupations sexuelles obsédantes, une consommation sexuelle excessive, un filtre sexuel, les gens sont parasités par des images sexuelles en permanence, des émotions mixtes, une perte de contrôle de temps et d'argent, un retentissement social et la notion de craving qui est forte dans l'addiction. À la différence des paraphilies, l'addiction sexuelle est en lien avec plusieurs activités sexuelles. Le déficit d'inhibition, c'est une notion importante chez les patients addicts, avec une influence mutuelle des réactions à des stimuli et des fonctions exécutives chez les sujets addicts. Plus la réactivité aux stimuli est forte, plus le comportement d'inhibition est altéré. Et il y a la notion de biais attentionnel via des signaux sexuellement explicites qui vont induire un craving. Devant le peu d'éléments sur le fondement neuronal de la relation réactivité à ces stimuli sexuels explicites et l'inhibition de réponse chez les sujets ayant une addiction sexuelle, on s'est intéressé en imagerie cérébrale fonctionnelle à cette question, et notamment deux régions d'intérêt dont une on a parlé précédemment, le gyrus frontal inférieur et l'aire motrice supplémentaire. Alors rapidement, la présentation du protocole, c'est 30 patients versus 30 contrôles avec des évaluations psychométriques et des tests go-no-go modifiés avec des images neutres, sexuelles, répondant à tout sauf à la lettre V, tout ça évalué en IRMF. Le déficit d'inhibition,
Quand on compare nos deux populations, clairement, il y a des différences significatives entre le nombre de partenaires sexuels, la fréquence de rapports sexuels, la fréquence de masturbation, la fréquence de visionnage de la pornographie, et bien évidemment, on a des différences significatives en termes d'évaluation, hein, des tests, de l'addiction sexuelle. Quand on analyse les images en IRMF, on a un signal d'activité au niveau de cette fameuse structure, le gyrus frontal inférieur. Et quand on compare les tests go, no-go en fonction des stimuli sexuels excessifs, clairement, on retrouve des différences significatives entre le groupe hypersexuel et le groupe contrôle. Et entre le groupe hypersexuel et le groupe contrôle, peu ou pas de différences significatives en termes de stimuli neutres. Que devons-nous retenir de cette étude? Eh bien, il y a une réduction de l'activité cérébrale, notamment au niveau du gyrus frontal inférieur droit, lorsque l'inhibition de réponse était nécessaire, et c'est plus prédominant lors des stimuli sexuels excessifs. Ce gyrus frontal inférieur droit jouerait un rôle essentiel dans le succès de l'inhibition de réponse. Il existe un biais attentionnel lors de l'exposition à ces stimuli sexuels excessifs chez les sujets sex addicts, et il existe une altération chez les sex addicts dans le phénomène de switch de l'attention d'un objet sur un autre objet. Il existe aussi une réduction de la connectivité fonctionnelle entre le gyrus frontal inférieur droit et l'aire motrice supplémentaire en réponse à ces stimuli sexuels excessifs. Donc ces éléments-là jouent un rôle important comme structure de contrôle de l'inhibition comportementale. On retrouve une impossibilité d'inhiber des réponses automatiques, hein, qui avait déjà été démontrée dans la littérature. Dans cette population, les sex addicts ont une haute impulsivité, donc l'excitabilité sexuelle élevée entraîne un biais attentionnel et ils ont plus de difficultés à avoir des stratégies alternatives. Enfin, ça nous fait réfléchir à des pistes thérapeutiques dans cette question, déficit d'inhibition chez les sex addicts. L'utilisation du neurofeedback devrait être évaluée et la recherche autour de traitements pharmacologiques intéressant ces régions cérébrales impliquées devrait être aussi évaluée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce sujet autour du sexe, des drogues et du heavy metal vous a plu. Moi, j'ai envie de dire un truc comme mon copain heavy metal qui a son chat en bas à droite, comme Tiger Woods, comme toutes mes copines qui ont une addiction sexuelle. I want you et votez pour moi.